Bonjour, je suis Myriam Darcy, directrice générale de la Fondation Lionel-Groux. Vous savez sans doute, la mission de la Fondation Lionel-Groux est d'œuvrer au développement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture. Nous sommes fiers encore cette année de participer au Festival d'histoire de Montréal qui se déroule durant l'anniversaire de notre belle métropole. Il me fait plaisir aujourd'hui de recevoir Lucia Ferretti, historienne et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, notre entretien portera sur l'histoire de la question linguistique au Québec et petit clin d'œil à Lionel Groux s'intitule Notre État français, nous l'aurons, nous l'avons, nous ne l'avons plus, l'aurons-nous 50 ans de lutte puis d'inertie sur la question linguistique. Je salue l'initiative des musées d'histoire de Montréal qui organise ce festival essentiel et qui célèbre l'histoire dans toutes ses dimensions. Je souhaite longue vie, évidemment, à ce beau festival. Depuis environ deux ans, le français redevient une question importante dans l'espace public et dans la sphère politique. Plusieurs études récentes ont démontré que le déclin du français s'accélère à Montréal et partout au Québec. Le Québec s'englicise à grande vitesse et les Québécois sont majoritairement inquiets au sujet de l'avenir du français, comme l'ont démontré quelques sondages au cours des derniers mois et dernières années, notamment celui commandité par la Fondation Lionel Groux à l'automne 2020. Permettez-moi de vous citer quelques statistiques. Au moment du sondage, 63 des répondants affirmaient être préoccupés par la situation du français au Québec, et ça, c'est toute génération confondue, et 67 demandaient un renforcement des lois en vigueur. En mai 2021, M. Simon-Jolin Barrette, ministre responsable de la langue française, a déposé le projet de loi 96 qui s'intitule « Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français ». Ce projet vise à renforcer la charte de la langue française, la fameuse loi 101. Le ministre estime alors qu'il est grand temps de protéger la langue française et d'en assurer sa pérennité. Au moment où les médias rapportent régulièrement des manquements graves à l'égard du français de la part des grandes entreprises qui sont soumises à la loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral, lui, se propose de moderniser sa loi. Nous savons, l'avenir du français n'est jamais assuré pour une petite nation comme la nôtre qui évolue dans un continent anglophone. Au Québec, la défense du français est un combat permanent. Nous reviendrons sur les épisodes marquants de ce combat en remontant de la Révolution tranquille jusqu'à nos jours. Rappelons que Lucia Ferretti est historienne et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est aussi membre du conseil d'administration de la Fondation lionel Group. D'ailleurs, si la question linguistique vous intéresse, je vous invite à visiter le site web de la Fondation Lionel qui vous propose une panoplie de contenus sur l'histoire du Québec, notamment la série de capsules historiques Nos géants qui met en valeur des personnages incontournables de notre histoire qui ont contribué à la vitalité et à la défense de la langue française, dont Camille Lorrain, dont nous reparlerons plus tard dans cet entretien. Merci. Bonjour Lucia Ferretti, bienvenue dans la maison de Lionel Gros et merci d'avoir accepté notre invitation à cette deuxième édition du Festival d'Histoire de Montréal. Yeah, C'est un vraiment grand plaisir. Commençons par un petit clin d'œil à Lionel Gros justement. Ben oui, si on parle de la langue, il faut quand même rappeler la phrase devenue célèbre que Lionel Gros a dit euh, le 29 juin 1937. C'était au deuxième congrès de la langue française au Canada. Puis, il avait lancé une sorte d'appel, un programme. Notre État français, nous l'aurons. Alors, c'est un peu ça. On en est peut-être encore rendu là de nos jours. On a eu une révolution tranquille pour la langue. On peut parler d'un long combat tranquille. Ou, au contraire, y a-t-il eu des moments plus intenses que d'autres au cours du dernier demi-siècle? Bien, je dirais que euh, sur un demi-siècle, il y a évidemment des moments plus forts que d'autres. Euh, J'ai identifié, moi, cinq scansions, si on peut dire. Alors, le tournant vraiment des années 70, notre État français, nous l'aurons. Les années 70 qui vont jusqu'à un peu après l'adoption de la loi 101, notre État français, nous l'avons. Les, euh, les luttes contre la victoire qu'a représentée la loi 101 durant toutes les années 80. Une quatrième période qui commence à la fin des années 80, qui va jusqu'au lendemain du référendum, notre État français, nous ne l'avons plus. Et la longue période qui commence euh, au lendemain du deuxième référendum, et qui est justement notre État français, l'aurons-nous alors on sait que dans les années 2021-2022, il y a ce projet de loi 96 sur la, le français, langue officielle et commune du Québec. Est-ce que ce sera suffisant pour rendre le Québec français, notre État français, nous l'avons de nouveau Plusieurs observateurs, en tout cas, se posent la question. Quelles sont les grandes batailles des années 67 à 72? Vous avez identifié trois fronts, dont le premier est le projet de charte des droits euh, que Trudeau voulait insérer dans sa constitution. Eh bien, charte des droits, on pense constitution 1982. Mais ça fait depuis plusieurs années auparavant que euh, pierre Elliott Trudeau, qui devient le premier ministre du Canada en 1968, a cette idée de faire une modification constitutionnelle pour insérer une charte des droits contenant particulièrement des protections linguistiques pour les, anglo les anglophones du Québec. Et ça, d'où ça vient? Ça vient qu'on s'est rendu compte à la fin des années 60 que la constitution, la loi constitutionnelle de 1867, l'Acte d'Amérique du Nord britannique. Mais finalement, il n'y a pas tant de garanties juridiques pour l'anglais au Québec. Il y a l'article 133 qui dit que l'anglais est la langue aussi du Parlement du Québec et des tribunaux. Il y a un article 93, mais c'est sur la confessionnalité scolaire. Ça garantit des écoles protestantes, qui sont toutes anglophones, et des écoles catholiques, dont une partie est anglophone. Puis c'est tout. Si vous lisez la Constitution, voilà les deux seules garanties constitutionnelles. Mmh. Donc, ce qui a fait, dans le fond, la force de l'anglais au Québec, c'est la domination économique, sociale des anglophones. Mais ce ne sont pas les garanties constitutionnelles. D'autant plus que dans les années 60, il y a deux autres garanties qui sont un peu les comtés protégés, qui étaient réservés, dans le fond, à un électorat anglophone. Et le Conseil législatif, qui était au-dessus de l'Assemblée législative, où là, il y avait à l'origine vraiment la fortune, ça voulait dire des anglophones, beaucoup qui siégeaient. C'était tellement antidémocratique et c'était tellement contesté par le mouvement nationaliste québécois qui se réveille dans les années 60 que ça, ces garanties-là sont tombées. Alors, euh, Trudeau-Père se dit Mais il faut des nouvelles garanties juridiques aux anglophones. Et c'est son projet de charte qui émerge dès les années 60. Le deuxième front du combat linguistique entre 67 et 62, c'est contre le gouvernement de l'Union nationale formé euh, de Jean-Jacques Bertrand. Et le troisième, c'est contre le concept de district bilingue élaboré par la commission Laurendeau-Dunton. On va y revenir tout à l'heure. Euh, mais dites-nous déjà pourquoi la société civile s'est battue sur ces trois fronts-là. C'est parce que si on avait eu... Déjà la charte des droits linguistiques, les districts bilingues, plus le libre choix de la langue d'enseignement, parce que c'est ça Jean-Jacques Bertrand, mais ça faisait en sorte que le Québec devenait une province bilingue, ce qui n'est pas du tout prévu par la Constitution de 1867. Mm -hmm. Puis si je reviens au, au premier front, je comprends que dès la fin des années 60, Trudeau-Père avait dans l'idée de transformer les privilèges de l'anglais au Québec en droits individuels constitutionnels pour les membres du groupe anglophone. Oui, c'est ça son projet. Lui, il veut que les droits linguistiques soient considérés comme des droits individuels et des droits individuels fondamentaux, aussi fondamentaux que les droits qu'on voit dans la Déclaration des droits de l'homme, par exemple. Mais ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, les droits linguistiques sont pas des droits individuels et ne sont pas des droits fondamentaux. Mais lui voulait, euh, disons, qu'on conçoive au Canada les droits linguistiques comme des droits individuels fondamentaux. Mm -hmm. Ça, à l'époque, est-ce que c'était clair pour tout le monde euh, Non, c'était pas clair pour tout le monde. Le fait que euh, tout le monde au Québec pensait que les anglophones avaient des droits acquis, parce qu'il y avait tellement d'institutions anglophones au Québec, l'anglais était tellement présent partout. Qu puis les anglais sont là depuis tellement longtemps, on pensait que c'était des droits acquis. Mais qui avait vraiment lu la situation constitutionnelle et les protections constitutionnelles pour l'anglais Ça a l'air drôle à dire, mais il y avait deux personnes. Il y avait François-Albert Anger d'un côté, puis Pierre-Elliott Trudeau de l'autre côté. Pierre-Elliott Trudeau, on le sait, c'est le premier ministre du Canada. Puis François-Albert Anger, c'était un professeur d'économie à l'école des HEC, mais surtout, lui, il y avait trois vies en une, c'était aussi le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, le directeur de la revue L'Action Nationale. Puis l'espèce de coordonnateur de toutes les forces vives qui vont mener, justement, le combat linguistique. Et ces deux-là sont les seuls qui voient que, en effet, la protection constitutionnelle de l'anglais au Québec, elle n'est pas très grande. Parce que, dans l'esprit des pères de la Confédération, ils ont accepté que le Québec soit une sorte de réserve française et que le Québec soit aussi français que le gouvernement fédéral pouvait être anglais. Mm -hmm. Et c'est donc pour ça qu'il n'y avait pas, et en plus, le, le fait sociologique de la domination économique des anglophones protégeait l'anglais. Mais à partir du moment où il y a un mouvement nationaliste plus fort, et que là, ces choses-là deviennent contestées, voilà le projet de Trudeau-Père. Quel fut l'accueil justement réservé au projet de loi 63 Bien, on peut dire que ça a bardé, dans le fond, parce que d'abord, il y a eu énormément de manifestations, que ce soit devant l'Assemblée nationale à Québec, à Montréal. Ensuite, eh bien, ça a déclenché la création de ce qu'on a appelé le Front du Québec français, qui est devenu maintenant le Mouvement Québec français. Qu'est-ce que c'est? La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le Mouvement national des Québécois mais aussi 225 associations de la société civile qui se sont mises ensemble pour créer cet organisme là pour porter le combat linguistique et pour tout ce monde là la loi 63 n'était pas acceptable pour au moins deux raisons. La première raison c'est que on ne peut pas dire que la langue est un droit individuel. Dans une société, la langue, c'est un outil de communication et une langue commune dans une société, c'est un bien qui est précieux et qui doit être défendu comme tel. Puis la deuxième raison, c'est qu'on s'apercevait que dans le fond, il y avait seulement 10 des immigrants qui s'intégraient au groupe francophone. Tout le monde, 90%, allait du côté anglophone. Et c'était en train de créer un déséquilibre démographique auquel on cherchait à remédier. Donc ça a été ça, disons, le, 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 le fruit, on peut dire, de la loi 63. Oui, elle est restée, elle n'a pas été retirée malgré les manifestations, mais ça a coordonné, ça a donné lieu à une organisation nouvelle pour mener le combat linguistique. Mm -hmm. Tantôt, plus tôt, vous avez parlé du district bilingue. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit Oui, c'est euh, en 1960, dans les années 60, euh, le gouvernement fédéral met sur pied la commission Lorando Dunton, qui est la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. Mm -hmm. Et dans son rapport, qui paraît à la fin des années 60, euh, la commission propose que dans tous les districts de recensement où il y a 10% d'anglophones ou 10% de francophones ailleurs au Canada, le district soit déclaré bilingue. Et ça ça donne plus que 300 districts bilingues potentiels au Québec contre un peu plus à peine au Canada là où il reste quelques îlots de francophones. Et donc ça viendrait que le Québec serait comme une espèce de immense District bilingue. Et ça, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas ce que la Constitution de 1867 prévoit. Donc, si vous voulez, Trudeau trouve que c'est une excellente idée. Il essaye de la mettre en œuvre une première fois au début des années 70. Il y a tellement de protestations au Québec, mais aussi au Canada anglais où on veut pas de district bilingue avec des francophones, ce qui fait que bon, c'est retiré une première fois. Il va s'essayer une deuxième fois au milieu des années 70. Finalement, l'idée va tomber en 1977. Donc, il n'y aura pas cet outil-là de création de districts bilingues, ni au Québec, ni au Canada d'ailleurs. Mm -hmm. Si on se résume, pour cette première phase du combat pour la langue, Trudeau veut des droits garantis par la Constitution pour la minorité anglophone. Il aurait aussi aimé que le Québec quasi entier devienne bilingue. Et de son côté, le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand laisse le libre choix de la langue d'enseignement. Mais si je me souviens bien, ça ne se passe pas exactement comme ça. La population s'est mobilisée. Oui, la population s'est mobilisée. Dans le fond, au moment où finit la première période, dans la société civile, il y a un grand mouvement qui dit il n'est pas question de toucher aux institutions anglophones, aux écoles anglophones pour le groupe anglophone historique. Mais à partir de maintenant, nous voulons que tant les enfants, disons, québécois francophones, que les enfants d'immigrants allophones, aillent à l'école française. Ça, c'est la première chose. On n'enlève rien des droits historiques de la communauté anglophone, mais on veut maintenant promouvoir le français. Mmh. Et en plus, dans les années 70, là, vraiment, tout le monde est bien mobilisé. Donc, c'est un fait que ces années-là vont être des années d'intensification du combat linguistique. Mmh. Puis, dans le fond, ce que vous me dites, c'est que c'est la société civile qui prend le bâton du pèlerin à cette époque-là pour le combat linguistique. Ben oui, parce que là quand même le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand est défait en 1970, c'est le gouvernement libéral de Robert Bourassa qui est élu. Et en matière linguistique, le gouvernement libéral est un apôtre du laisser-faire. Mm -hmm. Donc c'est évident qu'il ne fait rien de spécial tant qu'on ne le force pas à faire quelque chose. Et donc, c'est vraiment le front du Québec français, le mouvement du Québec français. Vous savez que dans ce mouvement-là, j'ai parlé de la Société Saint-Jean-Baptiste, le mouvement national des Québécois, 225 associations. Mais qui est là-dedans C'est aussi toutes les centrales syndicales, y compris euh, l'Union euh, des producteurs agricoles, c'est les associations d'écrivains, c'est tout le milieu culturel. Je veux dire, à la fin, il manque le conseil du patronat à peu près, puis les organisations vraiment de l'établissement économique, mais autrement, tout ce qui est force vive, on parle en tout, par les associations qui intègrent le mouvement Québec-Français, on parle de 750 000. Québécois adultes, mm -hmm. à une époque où il y a 6,5 millions de francophones de Québec, dont évidemment la communauté anglophone. Donc, c'est un vaste mouvement social qui va se mobiliser mm -hmm. en faveur du français et qui va obliger jusqu'à un certain point le gouvernement libéral à affronter cette question qui le rend très inconfortable. Mm -hmm. Puis, quels sont euh, leurs arguments au Mouvement Québec-Français? Eh bien, c'est ça. Les arguments du Mouvement Québec-Français, c'est euh, oui. OK? Il y a des institutions anglophones, il y a des euh, communautés anglophones historiques, mais lisez toutes les chartes des droits à travers le monde, lisez toutes les déclarations des droits, et ce qui est protégé, c'est la liberté d'expression, par exemple, mais ce n'est pas nécessairement la langue dans laquelle on s'exprime. Le droit linguistique individuel, c'est quelque chose qui n'est reconnu Nulle part. Mm -hmm. Donc, on ne veut pas que ce soit une base, okay? et on ne veut pas reconnaître des droits acquis là où pour l'instant il n'y a que des privilèges dus à la puissance économique et sociale de la communauté anglophone du Québec, adossée évidemment sur le Canada anglais. Mm -hmm. Puis, euh, par la suite, justement, le gouvernement libéral de Robert Bourassa fait adopter la loi 22. Cette loi fait du français la langue officielle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Ah ben oui, la loi 22. Alors, le, le, le gouvernement Bourassa, ben, il y avait le ministre de l'Éducation là-dedans, il s'appelait François Cloutier. Et lui a proposé que l'anglais et le français, dans cet ordre, soient déclarés les deux euh, langues officielles du Québec. Mais là, évidemment, <laughs> le monde ne pouvait pas accepter ça. Et Robert Bourassa était quand même un homme politique avec un certain instinct politique. Il a bien senti que ça ne passerait pas. Donc finalement, la loi 22 est adoptée. Elle est différente de la loi 63 parce qu'elle elle couvre plus large que simplement la langue d'enseignement. Elle couvre finalement euh, plusieurs champs, la langue de travail notamment. Et elle fait, l'article 1, elle fait du français la langue officielle du Québec, mais il y a plus qu'un article dans la loi. Puis quand on lit tous les autres articles, l'anglais est presque autant une des langues officielles. Alors, ça a été ça. Évidemment, personne n'a été content. Non, personne n'a été content. Euh, J'ai une citation de Marcel Pépin, ancien président de la CSN. Euh, il affirme, je le, je le cite, L'anglais dans les milieux de travail constitue un moyen de domination et un instrument de subordination aux mains du patronat. À l'intérieur des entreprises, il constitue, du moins à partir d'un certain niveau, un instrument d'abaissement psychologique de la majorité quand il ne sert pas purement et simplement des moyens de discrimination raciale. Oui, c'est ça. Quand j'ai dit que dans le mouvement Québec-Français, il y avait aussi les centrales syndicales, c'est que la langue de travail, on parle de la langue d'enseignement, je vais y revenir, mais la langue de travail, c'est aussi un des grands enjeux. Et les syndicats ne veulent plus que n'importe quel patron anglophone ou allophone exige de ses travailleurs qu'ils lui parlent en anglais. Maintenant, sur la langue d'enseignement, quand on dit la loi 22 a mécontenté tout le monde, bien, il faut voir que euh, le mouvement nationaliste a vu que l'article 1, oui, mais tous les autres articles, c'était bilingue. Après, les immigrants ont vu que bien, pour avoir le droit d'aller à l'école euh, anglaise, il va falloir que mes enfants passent un test. S'ils échouent le test, ils vont devoir aller à l'école française. C'était comme une punition d'aller à l'école française. Puis en plus de ça, c'était comme euh, donc pourquoi est-ce qu'ils devraient passer un test Puis tous les enfants d'immigrants sont pas sur le même pied et tout ça. Puis la communauté anglophone, ben elle, elle s'est déchaînée parce que et finalement l'article 1 disait quand même que le français était la langue officielle du Québec. Donc vous voyez que cette loi là ne satisfait absolument mmh. personne. Et le combat a continué évidemment. Et finalement c'est une des raisons qui explique que malgré euh, euh, sa, sa domination, il y avait énormément de députés en 1973, euh, 102, je pense, sur 110 députés qui étaient euh, des, du gouvernement libéral. Euh, il n'a pas été capable d'aller au bout de son mandat. Il a dû avoir des élections euh, anticipées. Et euh, le 15 novembre 1976, comme tout le monde sait, euh, le Parti québécois a été élu et a formé le gouvernement. Mmh. Et on sait évidemment qu'ils ont fait euh, adopter la loi 101. Je vous invite à nous en parler. Oui, c'est le 15 novembre 1976 et puis moins de 10 mois plus tard, la loi 101 était adoptée, une loi qui, d'une manière extrêmement claire, faisait du français la langue officielle et commune avec des outils pour en faire la langue commune du Québec, tout en préservant les écoles évidemment et les institutions de la communauté anglophone souvent financées bien sûr par le gouvernement et l'état du Québec mais en s'assurant que à l'avenir ceux qui viendraient nous rejoindre et leurs enfants s'intègrent au groupe francophone Mmh. Évidemment, on se souvient que l'architecte de la loi 101, c'est le docteur Camille Lorrain. C'est une victoire pour le français, puis c'est une victoire aussi pour lui euh, au sein du gouvernement, l'évêque. Oui, 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 parce que, bon, il a quand même fallu le convaincre, René l'évêque, de la loi 101, là, on, on le sait maintenant. Puis Camille Lorrain, c'était le, le grand projet de sa vie, évidemment. Euh, là, il a fait un discours à un moment donné, là, je ne peux pas vous le citer par cœur, mais il disait, en fin de compte, c'est un héritage, on, on, on aboutit avec la loi 101 à consacrer un héritage, une société francophone depuis 400 ans. Et en même temps, c'est un projet, continuer à voir l'avenir pour la langue, pour notre nation. Enfin, c'était très lyrique, là, comme mm -hmm. discours. Puis il annonçait même à la fin on peut. ce qui nous attend, ce sont des lendemains qui chantent. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Euh, puis au moment du dépôt du projet de loi euh, de la loi 101, les porte-paroles évidemment des groupes anglophones se déchirent à nouveau la chemise. Oui, oui, oui. Il euh, y a le McLean, je pense, qui a parlé de René Lévesque comme d'un fanatique vêtu d'un toxédo de location. Il y a la Gazette qui a traité Camille Lorrain plus d'une fois de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, c'était le propagandiste du régime nazi. Il euh, y a un autre journal, qui, le Montreal Star, je pense, qui voulait faire la partition de Montréal, de l'ouest de Montréal, pour faire une onzième province. Enfin bref, euh, ce n'était pas la première et ce ne sera pas la dernière fois qu'on va avoir des doutrances de genre-là. René Lévesque, un homme quand même relativement modéré, a dit, écoutez, écoutez, euh, Faisons un essai loyal. Mmh. Essayons la loi 101 pendant deux ans. Après tout, on continue à financer toutes les institutions anglophones. Il n'y a aucun des, des droits de la communauté anglophone qui est vraiment touchée. Mais euh, bon, en tout cas, ça a été ça. Et euh, très vite, l'opposition va s'organiser. Et euh, les, les des ténors de la communauté anglophone et d'autres membres de la communauté anglophone, euh, je ne voudrais pas dire la communauté anglophone, des groupes... Des individus anglophones se sont réunis, ont formé un groupe qui s'appelle Alliance Québec, Alliance Québec plutôt, qui ont commencé les contestations judiciaires contre la loi 101. Et le premier jugement de la Cour suprême est tombé en 1979 en invalidant tout un pan de la loi 101, celui qui concernait précisément la langue de la justice. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs après le référendum de 1980? Après le référendum de 1980, vous avez donc le champ libre pour Pierre-Éliott Trudeau, mm -hmm. qui procède au rapatriement unilatéral de la Constitution sans l'accord du Québec, on s'en souvient. Dans la, dans la Constitution vient, et avec la Constitution vient, une charte des droits. Et dans la charte des droits, en particulier, un article l'article 23 sur les droits linguistiques et donc c'est le moment que Pierre Elliott Trudeau attendait depuis si longtemps le moment de euh, finalement donner des garanties linguistiques au groupe anglophone du Québec en assurant que la langue est un droit individuel fondamental et que bon dans le fond on va pouvoir avoir le droit à l'enseignement en anglais au Québec et en français au Canada. En anglais au Québec et en français au Canada, là où le nombre le justifie. Ce qui montre bien que si c'est un droit individuel fondamental dans les déclarations, il n'y a pas là où le... c'est absolu un droit fondamental. Mais pour les francophones hors Québec, c'était là où le nombre le justifie. Alors ça c'est tout de suite après le référendum, c'est évident que l'article 23 va donner un outil de plus dans l'arsenal des groupes anglo-québécois qui contestent la loi 101 Et va s'en suivre plusieurs années de contestation judiciaire qui vont entraîner un premier, on pourrait dire, dépaissement de parties complètes de la loi 101. Mmh. Sans compter que du côté des provinces anglophones, ben là pour les minorités francophones hors Québec, c'était aussi un outil. Donc c'est évident que là, ils ont, ils ont essayé de s'en servir. Ils ont gagné très souvent d'ailleurs contre les législations scolaires des provinces anglophones, il faut le reconnaître, mais les jugements de euh, la Cour suprême dans le cas des minorités francophones ont toujours été finalement acceptées très à contre-coeur par les provinces, pas toujours appliquées. Donc finalement, l'article 23 a surtout servi dans l'arsenal des groupes anglo-québécois plus que des groupes franco-canadiens, même si pour eux au moins il a été utile. Mm -hmm. On pourrait même dire que cet article-là a été écrit expressément euh, contre la loi 101. Ah oui, ah oui, c'est sûr que ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment tous les juristes. Mm -hmm. euh, C'était le but euh, de pierre Elliott Trudeau de donner des nouvelles garanties constitutionnelles blindées, mm -hmm. une protection constitutionnelle blindée aux anglophones. Et c'est précisément à ça qu'a servi l'article 23. Et euh, en effet, on a vu le, le, le charcutage de la loi 101, particulièrement les dispositions sur la langue d'enseignement, parce qu'il y a eu en 1984, je pense, un jugement de la Cour suprême qui disait qu'il suffisait qu'il y ait un parent qui ait fait ses études en anglais quelque part au Canada pour qu'automatiquement ses enfants aient le droit à l'enseignement. Euh, euh, en anglais au Québec, ainsi que tous les descendants. Donc, on voit que peu à peu, la protection linguistique scolaire, en fin de compte, a été érodée mm -hmm. pour euh, le français langue scolaire commune. Sauf pour les les membres de la communauté historique anglophone, ça, ça s'est érodé beaucoup. Mm -hmm. Je vous amène en 1985, donc Robert Bourassa est de nouveau au pouvoir. Est-ce que, est-ce que lui va défendre la loi 101 Non, non. Malheureusement, hein, c'est toujours dommage de devoir faire ces constats-là parce que la langue, c'est quand même le fondement de, de, de notre distinction. On parle toujours de la diversité partout au monde. On célèbre la diversité. Eh bien, en Amérique du Nord, le Québec, c'est la diversité. Alors c'est toujours triste de voir que non, malheureusement. Le gouvernement de Robert Bourassa, deuxième manière, n'a pas défendu euh, la loi 101. Au contraire, il a essayé de passer trois projets de loi pour défaire la loi 101. Euh, un de ces projets de loi, c'était pour fusionner quelques organismes euh, d'État. Qui assurait justement la surveillance de l'application de la loi 101. Donc, on voulait les fusionner, les réduire le financement, finalement, édenter la capacité de l'État à surveiller l'application de la loi 101. Il y avait aussi euh, un projet de loi pour euh, extensionner les services en anglais, les services de santé dans les institutions euh, anglophones et les services sociaux euh, partout en Mauricie, en Gaspésie, enfin là où il y a trois anglophones. Et puis il y avait une troisième loi qui, elle, était justement pour élargir la protection euh, de, de... Enfin, pour garantir que les enfants qui étaient inscrits illégalement à l'école anglaise jusque-là, parce qu'il y en avait, soient amnistiés et puissent continuer leurs euh, études en anglais ainsi que leurs frères, sœurs et eux aussi tous mm -hmm. leurs descendants. Donc on voit bien par ces trois projets de loi que le gouvernement euh, libéral euh, malheureusement protégeait pas la loi 101. Mm -hmm. Donc si c'est pas le gouvernement qui protège la loi 101 euh, qui va la défendre? Est-ce que ça va être la société civile euh, comme dans la période précédente? Oui, c'est ça. De nouveau, il y a eu une énorme mobilisation avec euh, vraiment euh, euh, des manifestations, des rassemblements. Il existait le centre Paul Sauvé à l'époque à Montréal où souvent, souvent, les nationalistes se réunissaient. Et en 1986, entre autres, il y a eu un, un très grand événement où euh, là, 101 personnalités sont venues scander Québec, je t'aime en français, donner les raisons pour lesquelles euh, on, euh, on devait continuer euh, à parler français. Donc, c'est la mobilisation vraiment euh, de la population qui a fait en sorte qu'au moins sur la question de fusionner les organismes euh, qui étaient chargés de protéger la loi 101, le gouvernement libéral a reculé. Malheureusement, L'amnistie le, le, pour les enfants illégaux, dans le fond, a perduré et les services en anglais ont été extensionnés. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que, si vous prenez, il y avait plusieurs ministres anglophones mm -hmm. ou assez anglophiles, on va dire, dans le gouvernement Bourassa. Donc Herbert Marx, un des ministres, euh, disait qu'il encourageait la désobéissance civile. Contre la loi 101. Mmh. C'est quelque chose quand un ministre. Après, vous avez le ministre euh, Richard French, qui lui était ministre euh, responsable de Radio-Québec, euh, il Radio-Québec, qui est maintenant devenu euh, Télé-Québec. Vous avez le ministre Claude Ryan, qui voulait euh, élargir encore l'accès à l'école anglaise. Mmh. Puis vous avez la ministre Lise Bacon, qui était la ministre responsable de la charte de la langue française. Qui, elle, trouvait qu'il fallait revenir à l'idée de faire un Québec officiellement bilingue. Donc, je veux dire, avec euh, un gouvernement aussi euh, décidé à ne pas respecter la loi 101, bien, c'est sûr que tout, toute cette responsabilité-là est revenue euh, à la société civile. Mmh, mmh. À la fin des années 80, on assiste à un regain d'activité, tant du côté des défenseurs de la loi 101 que de ses détracteurs. Euh, on entre désormais dans ce que vous appelez la quatrième phase là, du combat euh, pour la langue, celle du Notre État français, nous ne l'avons plus. Vous couvrez ce titre-là avec la période 88-96. Dites-nous en plus. Ça. Le 17 avril 1988, il y a 25 à 30 000 marcheurs dans les rues de Montréal pour scander vraiment on veut la loi 101, on veut la loi 101, rétablir la loi 101. Mais en décembre de la même année, la Cour suprême fait encore un autre de ses jugements. Cette fois-là, c'est sur l'affichage commercial. Et il est décrété que l'affichage commercial, euh, d'interdire l'affichage commercial en anglais, ça va contre la liberté d'expression. Donc, tout le pan de la loi 101 qui concernait cette question-là est devenu invalide. Aussitôt, vraiment, il y a une réunion, euh, euh, de les nationalistes convergent, si on peut dire, au centre Paul Sauvé. Et là, la foule scande à l'intérieur, à l'extérieur, non-obstant, 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 sous la pression le gouvernement libéral va légiférer et va tenir compte en fin de compte un peu de la, 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 le mouvement social de révolte en permettant l'affichage intérieur bilingue, mais en utilisant la clause d'un obstacle pour préserver l'affichage extérieur exclusivement en français. Donc, la clause de non obstant, elle a été utilisée, y compris par le gouvernement libéral, pour assurer la volonté de la population et la souveraineté du Parlement contre quand même un jugement de neuf juges non élus, comme on dit bien souvent. Mm -hmm. Est-ce que les Québécois sont satisfaits de cette décision du gouvernement Bourassa? Les gens n'ont pas accepté. D'un côté, vous avez des manifestations, 50 000, 80 000 personnes, même on a dit à Montréal, pour dire, ben voyons donc quel compromis. D'un autre côté, la communauté anglophone, ou en tout cas les anglophones du West Island, sont tellement fâchés contre le fait que le gouvernement libéral est utiliser la clause nonobstant que ils vont même fonder un parti anglophone les Quality Party et là ils vont réussir à faire élire quatre députés dans le West Island aux élections de 1989 ils vont même une délégation s'en va même à l'ONU pour dire à quel point c'est épouvantable comme les droits linguistiques des anglophones sont brimés au Canada français au Québec sont brimés par la loi 101, mais là, ils vont revenir bredouille parce que le comité de l'ONU qui étudie ça dit, Bien, écoutez, c'est parce qu'ils disent qu'ils sont une minorité opprimée, mais premièrement, c'est pas une minorité parce que les, les anglophones je veux dire, on est encore au Canada, les anglophones au Canada, ils sont majoritaires. Mmh. Fait que le Québec étant dans le Canada... C'est le comité de l'ONU, là, qui dit mmh. ça. C'est comme une évidence, mmh. mais on se rappelle tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la fausse symétrie que Trudeau a voulu instaurer. Ça s'est répandu, ça, dans les esprits. Qui perdure à... encore aujourd'hui, d'ailleurs. Qui perdure, puis que les anglo-québécois se sont pris pour une minorité. Mais là, l'ONU leur dit, non, je suis désolé, mais vous êtes la majorité, puisque le Québec est pas indépendant. Donc, ils sont venus bredouille. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement fédéral a quand même adopté une loi, C72, par laquelle il va financer davantage de services en anglais dans les hôpitaux, dans les services sociaux québécois, qui sont quand même une juridiction provinciale. Donc vous voyez que c'est très, très, très effervescent là, au tournant des années 90. Euh, on trouve ça dommage de devoir dire notre État français, nous ne l'avons plus, mais alors vraiment, on essaye quand même de le conserver. Tout ça, ça va nous mener jusqu'au référendum de 95. Mm -hmm. Euh, puis comment ça, comment ça se fait? Comment pouvez-vous expliquer que, malgré l'utilisation de la clause non-obstant par le gouvernement de Robert Bourassa, euh, l'affichage en anglais à l'extérieur des commerces prolifère jusqu'à aujourd'hui, on, on le remarque bien, euh, on n'a qu'à se promener un peu partout à Montréal? Oui, bien c'est ça. C'est que vous savez que la clause non-obstant, c'est un bouclier. Mais une bouclier contre une décision judiciaire, mais c'est une, une protection qui ne dure que cinq ans. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que si on veut que euh, le jugement continue à ne pas prévaloir, il faut réactiver tous les cinq ans la clause non-obstant. Et euh, c'est ça qui aurait dû être fait en 1993, parce qu'on arrivait aux cinq ans de la clause non-obstant. Et là, le gouvernement libéral a décidé de laisser mourir sa loi euh, 178 qui interdisait l'affichage extérieur bilingue. Et donc de renoncer à la clause de non d'accepter le jugement de la Cour suprême qui rendait légal l'affichage bilingue à l'extérieur aussi. La seule condition qui va être mise, c'est que le français doit prédominer. Mm -hmm. Mais donc, depuis ce temps-là, le jugement de la Cour suprême s'applique et c'est pourquoi on voit en effet euh, de nouveau très souvent un affichage bilingue. Bilingue mm -hmm. euh, commercial. Puis j'imagine que cette loi-là est pas passée comme une lettre à la poste auprès de la population québécoise. Ah non, c'est sûr. Le combat et le combat linguistique est un combat qui, dans ces années-là, est quand même mené avec force. Et euh, c'est seulement après le deuxième référendum, celui de 1995, que là les choses vont. Euh, changé, qu'on va rentrer en quelque sorte, on pourrait dire, dans la cinquième période que mm -hmm. j'avais identifiée au début, là, oui. notre État français, euh, l'aurons-nous mm -hmm. Donc, on est en 1995, après le deuxième référendum, le Québec est littéralement coupé en deux, euh, le Canada anglais a peur. Euh, Racontez-nous la suite. Oui, après le référendum de euh, 1995, euh, je pense qu'on peut dire que tout le monde a été surpris parce que dans le fond, le nom avait gagné, et c'est comme si euh, le nom avait perdu. Autrement dit, il y a eu plan A, plan B, plan C, euh, tous les plans qu'on veut, mais surtout, il y a eu une sorte de déferlement. C'est vraiment dommage de devoir dire ça, puis ça a l'air d'une opinion, mais en réalité, malheureusement, ce sont des faits. Il y a eu un déferlement de haine. Du Canada anglais sur le Québec, il y a une députée là de Vancouver, est, elle s'appelait Anna terrana. Elle a littéralement comparé euh, Lucien Bouchard à Hitler. Et le Premier ministre fédéral, qui est Jean Chrétien, son chef de parti, a même pas demandé qu'elle s'excuse, a même pas demandé sa démission. Rien s'est passé. En Ontario, il y a une espèce du luberlu privé, tout à fait privé, qui a ouvert un site qui s'appelait I Hate Lucien Bouchard. La GRC a laissé ce site-là ouvert pendant assez longtemps avant qu'il soit fermé. Au Québec, un distingué professeur de McGill, Robert Lecker, s'est quand même fendu de toute une série de relations de presse avec des journaux américains pour dire à quel point le Québec brimait. Les droits de ça était un, un endroit intolérant, raciste qui brimait les droits de sa minorité anglophone. C'était vraiment la déterminée, voulue. Et finalement, euh, c'était, c'est vraiment regrettable. Je suis pas heureuse de devoir mmh. dire que alors que le référendum venait d'être gagné par les forces du non et alors que le Québec qui voulait le oui, la moitié du Québec qui voulait le oui, n'a jamais remis en question. Il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a pas eu tu sais, de, de saccage, il n'y a pas eu rien. Mm -hmm. Il y a eu l'acceptation du résultat d'un référendum, qu'on a pu se poser des fois des questions sur les méthodes, etc., etc., mais quand même, il y a eu une profonde acceptation, puis malgré ça, il y a eu des attaques. C'est comme si on nous disait et on nous décrivait comme étant le Ku Klux Klan des nazis, des racistes. C'est ça qui est arrivé. Mm -hmm. C'est Ce sont des faits. Mm -hmm. Et le nouveau premier ministre, alors en poste après Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, comment, comment il réagissait à ça? Est-ce qu'il s'attendait à ce déferlement-là de haine envers, envers les Québécois? Non, je pense que. ni envers lui-même, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. Euh, non, je pense d'ailleurs, franchement, on ne peut pas lui en faire reproche. Qui, qui vraiment pouvait s'attendre à ça? Donc, c'est évident que Lucien Bouchard a été euh, saisi. D'ailleurs, je pense qu'à vrai dire, on, tout le monde a été un peu saisi. Et euh, bon, est-ce qu'il a voulu faire un geste d'apaisement? En tout cas, Toujours est-il qu'à un moment donné, c'est le fameux discours du Centaure là, en 1996. Et devant d'abord un, un public anglophone, le Centaure c'est une institution théâtrale anglophone, devant ce public-là d'anglophones, puis après ça, même devant les membres du Parti québécois, il a comme dit qu'il ne serait pas capable de se regarder dans le miroir. S'il utilisait de nouveau la clause non-obstant pour protéger le français au Québec. Alors, c'était ça, ça a fait un choc. Ça non plus, personne s'y attendait. Puis ça aussi, ça a fait un grand choc parce que c'était comme donner raison à ceux qui disent qu'utiliser la clause non-obstance, c'est super antidémocratique, mmh. alors que c'est préserver la souveraineté parlementaire contre le gouvernement de neuf juges non élus. Alors, disons que ça a comme un peu désarmé, hein, sur le coup, mmh. désarmé tout le monde. Ça a fait du dommage collatéral. Euh, ça, c'est l'effet. Euh, mais maintenant, je pense sincèrement que Lucien Bouchard a... a à espérer que ça apaiserait mm -hmm. les choses, mm -hmm. dans le contexte explosif que je vous ai décrit tout à l'heure. Mm -hmm. Je comprends. Donc, il a vraiment voulu euh, mettre un peu le couvercle sur la main. Oui, il a essayé de faire un nouveau geste de compromis. Mm -hmm. Après le référendum de 1995, le français, on le sait, recule partout, à l'école, dans les services publics, au travail, au point où le gouvernement Bouchard met sur pied la commission présidée par le syndicaliste Gérald Larose, la fameuse commission Larose, de son vrai nom, les États généraux, sur la situation et l'avenir de la langue française. Est-ce que cette commission-là a été utile? Bien, du point de vue des défenseurs, de la langue française, à l'époque, ils se sont montrés vraiment assez critiques. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que euh, la commission La Rose, elle a, euh, de leur point de vue, refusé de voir que la, le français était de nouveau menacé vraiment au Québec. Elle a refusé de recommander, par exemple, d'étendre la loi 101. Au cégep, mm -hmm. elle a refusé d'étendre la loi 101 aux plus petites entreprises, pas toutes les entreprises mm -hmm. qui sont couvertes. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue des défenseurs du français, euh, il a été jugé que la commission avait été quand même décevante, c'est sûr. J'ai des données ici tirées des travaux du mathématicien bien connu et démographe Charles Castonguay, Selon lui, à cause de leurs nombreux départs entre 1966 et 2011, il ne reste en 2011 que 251 000 anglophones de souche britannique, là, comme on pourrait dire, au Québec. Et pourtant, 40 ans après la loi 101, non seulement la proportion de la population qui a l'anglais comme langue d'usage n'a pas diminué, mais elle a recommencé à croître au début des années 2000. Entre 1977 et 2011, 800 000 immigrants ont adopté l'anglais. Ce sont eux désormais la communauté anglophone québécoise pour près de 80 en 2011 et encore davantage depuis les dernières dix années. Comment on en est arrivé là Oui, c'est vrai. Hein? La communauté anglophone, ce qu'on appelle la communauté anglophone au Québec, il n'y a presque plus d'anglophones John Smith dedans. Mm -hmm. Pour tout dire, là, c'est une communauté qui est, se nourrit beaucoup, beaucoup à partir euh, des, euh, des nouveaux arrivants. Encore aujourd'hui, malgré les progrès qu'a permis de faire la loi 101. Alors, comment on est arrivé là? C'est d'une part par euh, les actions du gouvernement fédéral, encore et toujours, et c'est aussi parce que à partir des années 2000, on a eu quand même une quinzaine d'années euh, de gouvernement euh, de Jean Charest puis de Philippe Couillard qui, eux aussi, ont pris des actions, pour certaines, et ont sont tombés parfois dans l'inaction mm -hmm. d'un autre côté, qui explique finalement que ces chiffres surprenants, qu'en fin de compte, malgré 40 ans de loi 101, l'anglais recommence à croître mm -hmm. au Québec. Mm -hmm. Mais euh, parlons d'abord du gouvernement fédéral d'Ottawa. Euh, oui, ben d'abord, dans Ottawa, il y a les jugements quand même de l'appareil judiciaire, la Cour suprême. Alors, en 2009, de nouveau un jugement qui contribue à élargir le droit à l'accès à l'école anglaise. Ensuite, je crois que c'est en 2011, il y a eu un jugement cette fois-ci, c'est pas la Cour suprême mais c'est la Cour supérieure du Québec qui est quand même un tribunal fédéral qui a autorisé euh, 11 boulangeries et commerces du Québec, c'est dans le jugement boulangerie Maxis. Mm -hmm. Je pense que c'est en 2016. C'est en 2016, oui. c'est bien possible qui a autorisé, dans le fond, à euh, contester la disposition de la loi 101 qui empêche totalement euh, l'affichage anglais, l'affichage commercial anglais. Donc, vous voyez que ces combats-là, il y a des gens là, qui ne cesseront mmh. jamais de poursuivre. Tant que de nouveau l'affichage exclusif anglais ou tant que le Québec ne sera pas vraiment une province bilingue. Et la, il n'y en a pas des masses comme autrefois des jugements, mais quand même, continue encore de temps en temps à y avoir des jugements qui râpent ou érodent les protections que donne la loi 101. Donc, ça, c'est les jugements des cours. Parallèlement à ça, bien, il y a l'action du gouvernement. Fédéral et en particulier tout le financement qui est accordé aux institutions anglophones, qui est accordé pour élargir toujours et financer les services en anglais au Québec. Il y a toutes les actions en cours de justice par le gouvernement fédéral, mais il y a aussi l'action politique. Donc, parlez-nous un peu de l'action politique contre la loi 101 du gouvernement fédéral. Alors, c'est le sociologue, c'est très intéressant de voir vous parler du gouvernement fédéral. Mais en réalité, des fois, ça peut être juste des organismes du gouvernement fédéral comme Statistique Canada. Il y a le sociologue Pierre Serré qui a fait remarquer que la Statistique Canada, l'organisme fédéral, a modifié au fil du temps sa définition de ce qu'est la communauté anglophone du Québec. Dans les années 60, Statistique Canada considérait que la communauté anglophone du Québec, c'était les anglophones, on pourrait dire, de souche installés ici depuis mm -hmm. longtemps, ceux qui bénéficiaient de l'article 133, de l'article 93. Et puis, ensuite, je ne sais plus exactement les dates, mais dans les années... 70-80, Statistique Canada a considéré que la communauté anglophone comprenait aussi les immigrants dont la langue maternelle est l'anglais, par exemple un jamaïcain, un australien, un écossais. Mm -hmm. Plus tard encore, dans les années 90, Statistique Canada a considéré que la communauté anglophone au Québec comprenait, en plus des deux premiers groupes, ceux dont la première langue officielle apprise est l'anglais. Donc, ça veut dire si vous êtes un Italien, mais qui, dont la première langue officielle apprise une fois rendue ici, est l'anglais. Donc, ça élargit sans arrêt qui fait partie de la communauté anglophone, pas seulement dans les faits, mais là, dans la définition administrative de Statistique Canada. Et Pierre Serré a calculé que dans les années 2010, si on s'en tenait à la définition classique, traditionnelle, il y a 3,5%. Euh, 3,5% d'anglophones de souche au Québec. Il y a 5 ou 6% d'anglophones si on inclut l'immigrant de langue maternelle anglaise. Mm -hmm. Mais il y a 13,5% d'anglophones au Québec si on inclut en plus tous ceux dont la première langue officielle apprise est l'anglais. Mm -hmm. Donc vous voyez que Statistique Canada a le projet de rentrer le plus... De gens possibles tout le temps dans la communauté anglophone et de laisser comme francophones seulement ceux qui sont des francophones de langue maternelle française, des immigrants de langue maternelle française ou des immigrants qui auraient appris le français comme première langue officielle en arrivant au Canada. Ça fait en sorte de gonfler administrativement la communauté anglophone. Et avec ça viennent des services, mm -hmm. de l'argent du fédéral, etc., etc. Le financement des hôpitaux, par exemple. Oui, oui, entre autres. Oui, oui, oui. Plus tôt, vous avez dit que les attaques contre la langue française sont venues aussi du gouvernement libéral de Jean Charret, de Philippe Couillard. Peux-vous nous en parler un peu plus? Par exemple, le gouvernement Charret a fait voter a fait adopter en 2010 une loi sur les écoles passerelles. C'est une loi qui permet euh, aux parents qui ont envoyé leurs enfants à l'école anglaise non subventionnée au Québec pendant un certain nombre d'années, de ensuite transférer les enfants dans le réseau public anglophones, et donc après, eux-mêmes, les enfants, les frères, les sœurs, les descendants peuvent continuer à aller à l'école anglaise. Donc, vous voyez que la logique derrière ça, et depuis l'adoption de la loi 101 en 1977, est toujours d'essayer d'élargir l'accès à l'école anglaise. Par ailleurs, le gouvernement de Jean Charest finançait 17 de places en anglais dans le réseau collégial, 25 de place en anglais dans le réseau universitaire, alors qu'en mettant les choses au plus large, on a dit que la communauté anglophone était 13,5 mmh. en l'élargissant au maximum. Donc vous voyez, c'est un surfinancement de l'offre. Ensuite, je pense que cette fois-ci, c'est sous Philippe Couillard, il y a eu euh, le financement de deux méga mm -hmm. hôpitaux, centres universitaires euh, hospitaliers à Montréal, bien au-delà des besoins. Et vous savez que la plupart des employés au, au CHU McGill sont euh, des immigrants ou des francophones qui s'anglicisent, mm -hmm. et même une partie des patients. Donc, c'est finalement il y a une, un surfinancement. Qui s'est exercé durant tout le début des années 2000, les 15 ans de régime de gouvernement libéraux de Jean Charest et Philippe Couillard, un surfinancement des services en anglais qui n'a pas aidé, bien sûr, la francisation mm -hmm. euh, du Québec. Et euh, en ce qui concerne l'immigration? Eh bien, en ce qui concerne l'immigration, il y a eu, d'une part, une très grande augmentation des seuils d'immigration pendant toutes les années 2000 et 2010. En soi, en soi, ça pourrait être bien si on savait que l'immigration se francise. Mais malheureusement, les gouvernements libéraux ont énormément coupé dans les services et les budgets de francisation, coupé aussi dans les allocations qui permettaient aux immigrants, dans le fond, euh, de pouvoir suivre des cours de mm -hmm. langue en français, parce que pendant que tu suis des cours, tu ne travailles pas. Mm -hmm. Et ça, disons, tout ce qui est le soutien à la francisation s'est érodé, en même temps que, par ailleurs, on augmentait beaucoup les seuils. Donc, c'est aussi ce qui crée mm -hmm. un déséquilibre et une anglicisation euh, continue, du Québec, j'ai dit que à ce rythme-là en 2036, Statistique Canada lui-même dit que nous ne serons plus que 70 à 72 de francophones au Québec. Mm -hmm. Donc vous voyez quand même que à partir de 2018 quand un nouveau gouvernement se met en place, euh, ces enjeux-là sont criants. Mm -hmm. Ces mm -hmm. enjeux-là sont criants et il faut euh, donc euh, commencer à y répondre mm -hmm. si on peut dire. Euh, certains intellectuels, certains démographes ont parlé là, de bruxellisation de Montréal. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça Bien, ils veulent dire que parce que, en effet, historiquement et aujourd'hui, quand même, le plus grand nombre des anglophones et des allophones vivent à Montréal et dans la région de Montréal, euh, le, le profil démographique de la ville ressemble et de la région ressemble de moins en moins au profil démographique du reste du Québec. Mmh. C'est comme si Montréal et la région se détachaient un peu sur le plan démographique de euh, du reste du Québec. Et ça, c'est quand même assez préoccupant parce que Montréal, la région, c'est le poumon économique, c'est le poumon culturel, c'est quand même euh, euh, patrimoine important. Mm -hmm. C'est beaucoup, la ville de Montréal, mm -hmm. la région de Montréal. Et on sent un certain détachement euh, de Montréal par rapport à la région, mm -hmm. là, par rapport euh, au reste du Québec. On arrive à aujourd'hui, euh, après, après avoir longtemps nié le recul là, du français, il y a eu une prise de conscience, on l'a vu dans les dernières années. Même le gouvernement fédéral se pose en défenseur là, de la langue française. Euh, Est-ce que vous croyez que la, le projet de loi 96 euh, de Simon Jolin-Barrette va redresser la situation Bien, redresser la situation, là vous m'amenez dans le futur, euh, moi je suis historienne, là c'est plus facile pour moi de parler euh, de faire des prophéties à, à propos du passé. Mm -hmm. Donc euh, je, je n'irai pas jusque-là, mais je dirais que euh, on, tout le monde est au courant en fait des débats euh, auxquels on assiste et euh, d'une manière générale, on peut dire que la loi 96, euh, telle qu'elle est dans le projet de loi, à l'époque où on se parle, on est encore à l'étape du projet de loi, euh, c'est bien, mais plusieurs observateurs pensent que c'est quand même un minimum, dans le sens que d'élargir la loi 101 au Cégep pour assurer la francisation euh, des jeunes. Pour assurer que peut-être ensuite ils puissent continuer aussi au niveau universitaire en, ang... en français, travailler en français au Québec, il faut, enfin d'après les spécialistes, il faut, il faudrait que la loi 101 soit étendue au Cégep. D'autres observateurs font valoir que il faut que les plus petites entreprises soit aussi davantage soumise à la loi 101. Il faut renforcer le français comme langue de travail, la mondialisation, la technologie, enfin, tout ça, c'est des défis qui se posent à l'échelle planétaire, mais ils se posent aussi chez nous avec une acuité particulière. Il faut de nouveau miser sur une francisation intensive euh, des immigrants et favoriser vraiment une francisation intensive. Donc, la loi 96, c'est sûr que c'est déjà ça, mais d'après les observateurs, il faudra aller un peu plus loin et euh, le temps presse. Je vais me permettre de citer euh, le syndicaliste Fernand Daou, un, un deuxième aujourd'hui, qui a écrit en 2012 un propos qui me semble encore très actuel Je ne peux accepter notre état de capitula capitulation silencieuse. Je souhaite de tout cœur que soient alertées toutes les forces vives du Québec et que nous nous attelions à cette tâche collective essentielle. Nous devons nous lever et parler haut et fort pour réaffirmer nos droits. Dans chacun de nos milieux, il faut sonner le rappel des troupes, remobiliser, réanimer des coalitions larges, développer à nouveau ces rapports de force qui ont engendré le changement au Québec. Oui, c'est ça. C'est que une loi c'est une loi. Mmh. Mais un peuple qui décide de continuer à tracer son destin en français. C'est encore plus fort qu'une loi. Donc ça, à chaque génération, c'est un peu peut-être la conclusion qu'on peut retenir de ce survol, à chaque génération, c'est quand il y a eu des mobilisations, c'est quand il y a eu des grands mouvements sociaux dans la société civile, c'est quand chacun, chacune s'est sentie interpellée par la question du français, que le français s'est bien porté. Et ça serait bien surprenant qu'il en soit autrement dans l'avenir. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que c'est une décision que chaque Québécois a toujours à prendre. C'est la leçon qu'on peut tirer du passé. Mm -hmm. C'est une décision qu'on a à prendre jusqu'à quel point voulons-nous continuer l'aventure en français, en terre d'Amérique, et jusqu'à quoi sommes-nous prêts pour pouvoir continuer cette aventure-là? parce que sans notre détermination l'histoire montre que on va pas très loin mm -hmm. ce sera le mot de la fin merci beaucoup lucia ferretti merci à vous